Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadow of the Colossus. C'est parti, nous en sommes à la moitié du jeu. Vu qu'il y a 16 colosses, on a un Q8, c'est de ça que je tire cette information. Mais si ça se trouve, il y a autre chose après en plus. Je sais pas. Vu que je connais pas le jeu, comme je vous ai dit, hein. C'est la première fois que j'y joue. Je sais, c'est une honte, mais à l'époque où c'est sorti, j'étais pas trop dans ce genre de jeu, perso. Mais là, c'est une claque monumentale. C'est... Waouh. J'adore. Je suis impatient à chaque fois d'y retourner sur ce jeu. Ça fait longtemps que ça m'a pas fait ça. Sur un jeu de comme ça plutôt. Putain, la musique a bugué, j'ai l'impression que c'était mon. On avait un média qui buguait, mais non, c'était le. C'était fait exprès. Et hop là, c'était quoi déjà le dernier qu'on a combattu? La salamandre. La salamandre de poison. En fait, ouais. Le dernier jeu qui m'a fait cet effet là, c'est Zelda Breath of the Wild. C'était fait, je sais pas comment exprimer ça, artistique peut-être, un truc du genre. C'est un drôle d'effet. Je sais pas comment l'expliquer en fait. La vaisselle. Hop là. Du réveil yoga, donc le colosse va être ronchon. Allez, c'est parti. Ça va être un colosse ronchon au fond d'un lac asséché. Ça devrait être normalement en extérieur. Je pense pas que ça sera aussi chiant que. Enfin, chiant. Non, pas chiant. Il sera effrayant pour moi. Hein, parce que je suis facilement impressionnable pour ce qui est de la peur dans les jeux vidéo. Je pense que vous l'aurez remarqué, même si c'est vrai que je montre pas vraiment. Je crie pas. En fait, quand j'ai peur, ou que je suis stressé, je rigole. Et du coup, ça fait un peu con, mais bon. Pas au fond de celui-là, quoi. Allez, là-haut. On avance. Wow. Alors, ce sera par où maintenant? Yeah.
déjà été le voir, ça là-bas? N'a pas l'air. À part si c'est celui qui avait un peu plus en haut à droite, mais sinon non. Il y a des mouettes qui me suivent. Parce qu'il y a un trophée pour trouver toutes les stèles de pierre du jeu, donc ouais, voilà, je l'avais pas trouvé ça. Merci. Alors ensuite. Par là. Par contre, je crois bien que ça va être là. Là-bas. Donc, faut descendre là, quoi. Et là-bas, il y a un autre truc de... là, on peut pas descendre. Là-bas, il y a une autre stèle. Ouais, mais on ira un autre jour. Je pense que par là-bas, il y aura aussi un colosse. Là, ce colosse-là, il se trouve entre les deux. Là où il y a les nuages, en fait. Oh! Je crois que je comprends, les nuages disparaissent au fur et à mesure que je bats les colosses. J'ai l'air seulement de m'en rendre compte, mais c'est ça. Parce que avant c'était en bas à droite, là le colosse le plus en bas à droite, que j'ai combattu avec le... enfin, l'espèce de salamandre quoi. Et il y avait des nuages au-dessus. Donc c'est en combattant le colosse, ça m'enlève les nuages. Donc partout où il y a des nuages, en fait il y aura un colosse à peu près. Faut se dire ça. Là je vais battre le colosse qu'il y a là, ça va sûrement enlever tous les nuages qu'il y a dedans. Est-ce que c'est dans la grotte ou le colosse va arriver de là justement? C'est pareil, c'est un environnement que j'aime pas trop parce qu'il y a du brouillard, mais bon. Est-ce que ça va être un connard de colosse qui va se cacher dans le brouillage? Bon, les colosses généralement ils sont géants donc... Salut beau gosse. Un scarabée tortue. Je me casse. Arrow. Qu'il ouvre la gueule, non.
Il est où ce cheval quand on a besoin de lui? Il est là. Comment on combat ça? Est-ce qu'il faudrait pas monter sur sa queue? Sa queue a pas l'air d'être faite de... Non, là ça change rien. Là. Oh, d'accord. Je viens de comprendre avec l'indice qu'il a donné. Faut la tirer jusqu'au terre. Putain, monte sur un ro, mais qu'est-ce que tu fous? Allez, faut la tirer jusqu'au désert. Au geyser, pardon. Et ça va le retourner, et je pourrais le taper lui. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il tire dessus plutôt? Simple question, hein, je... Non. Faut vraiment la tirer dessus. Ok. Allez, enfonce. On va la tirer au milieu du champ des trucs là. Ce sera beaucoup plus simple. Encore une fois, je me suis fait avoir sur le fait qu'il faut me dire. Enfin, faut que je me dise que le décor n'est pas là pour rien. Faudrait qu'il pénètre dedans. Voilà. Là, il est bien. Là. En plus, il est sur un rond. Non, il n'est pas sur un d'entre eux.
Ah, même quand je suis proche, il me tire dessus, d'accord. J'aimerais juste qu'il se rapproche. Là, on est bien là. Oh, on est bien. On va juste tourner autour maintenant. Jusqu'à ce que le truc crache. Ah, oh, parfait. Comment faut-il lui grimper dessus maintenant? Là. C'est poil, parfait. Vas-y, retourne-toi. Ah oh. Je crois que j'étais pas bien. J'étais pas assez en... Après. Putain, il me manquait juste... Il fallait que j'aille un peu plus loin. Bah retournons-y. Oh, je viens seulement de remarquer que quand il m'a dans son collimateur, ses yeux deviennent rouges et ma manette aussi. Merde, Aro est touché. Faut que je m'éloigne un peu, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bon, il est au-dessus. Eh merde.
Là, il est dessus là, en plus. Mais bon. Ah, faut peut-être que ce soit sur le ventre. Qu'il avance encore un peu par là. Parfait. Voilà. Non. C'est bon, je l'ai. Je marche doucement, prudemment, tout ça. J'imagine qu'au bout de la queue, là, il y en a un. Non. Ah, c'est parce que j'ai pas mon épée. Bah oui, évidemment. C'est sûr que... Oh, c'est même pas la queue, c'est la tête, ici. Oh, ah. Ton cul ressemble à ta tête, mon gars. Il va bientôt disparaître là le point. À part si c'est son seul point. Ça se trouve c'est possible. On prend un peu d'endurance. Ah merde, là j'ai pas... Oh, l'air. Oh,
Reprise d'endurance. Ah. A priori, ça a l'air d'être son seul point faible ici. Hein. Ça se trouve, il en avait un à la queue et j'ai pas fait attention à mes jambes. Oh là! Spéléologue. Mais c'est quoi ce truc? C'était une salamandre? On n'en a pas vu un mourir comme ça souvent. C'est quoi, il se transforme en pierre en fait? Wonder. La meuf nous appelle en fait. Elle nous appelle. Elle a dit notre nom. Enfin, le nom du héros. Serpent. Évidemment, un autre serpent et cette fois-ci il va être sous le sable et pas sous l'eau. Youpi! Au moins on aurait eu deux des trucs que je déteste sur trois. Sous le sable, sous l'eau, il manquerait plus qu'à ce qu'il nous mette un colosse dans le noir. Et ce sera horrible. Sur ce, je vous dis à tous. Ciao à plus. Et... je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez hop.